Donc dans l'ordre de l'apparition, je vais appeler Eva. Émile. Et Mauro. Ok. Avant de faire quoi que ce soit en improvisation, on va avoir besoin d'un échauffement. C'est très important. On peut pas partir comme ça, créer des histoires sans échauffement. Ok. Pour ça, petit échauffement au niveau physique déjà, c'est bien, bravo. Ok. On passe tout de suite à un échauffement mental. Une belle colonne, s'il vous plaît, face publique. On se met sur le praticable, on utilise les micros, on se fait entendre et on parle fort. Ok, ça marche. Gilles, c'est quoi tes micros, là? Ok. Ça marche? Messieurs, dames, je vais vous demander, s'il vous plaît, un mot. Tagada. Tagada? Ok. Attention, la consigne est simple, ça suit avec tagada. Fruits. Légumes. Poté. Soupe. Oignon. Rototo. Rototo, allez. Rototo, allez. Bon, laisse tomber. Un autre mot, messieurs dames. Paradis. Je vous entends pas. Paradis, ça suit. Dieu. Ange. Ange, esprit, démon. Ok, ça rime, démon. Chanson. Oignon. Potiron. Violon. Un éléphant. Ok, un éléphant, ça suit. Trompe. Ours. Ok, merci. Autant pour moi. Ok, merci. Moro, il est argentin et les animaux, c'est pas encore son truc. Je connais pas trop. Je connais les fourmis. Allez, profite. Ok, ça, c'est fait. C'est bien. On passe à un autre petit exercice, improvisation. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ok, chacun, vous allez me raconter une petite histoire. Et on va commencer. Alors, ceux qui ne racontent pas d'histoire, vous mettez sur le côté. Voilà. Ceux qui ne racontent pas d'histoire, vous mettez sur le côté. Voilà. Et celui qui raconte une histoire, Émile, en scène. Ouais, on peut l'applaudir. Messieurs, dames, durant son histoire, je mettrai quelques petits coups de sifflet. À ce moment-là, je vous demanderai de m'envoyer un déluge de mots. Des mots qui vous viennent par l'esprit, n'importe lesquels. J'en piocherai un, et notre improvisateur aura 5 secondes environ pour l'introduire dans son histoire. Tout simplement. On vous entend. Merci. Émile, quand tu veux, raconte-moi une histoire. En fait, c'est l'histoire d'un chanteur. C'était sa première fois sur scène. Donc, il était un petit peu stressé. Et il ne s'attendait pas à ce qu'en fait, il y ait 3 millions de personnes dans la salle. Chaise. Et du coup, bah, il n'y avait pas assez de chaises pour accueillir les gens. Bah, c'était facile. Hein. Il n'y avait pas assez de gens pour accueillir tout le monde. Carotte. D'accord, donc en fait, pour les gens, il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer dans la salle. Donc du coup, il a décidé qu'à tous les gens qui ne rentraient pas, il leur offrait une carotte. Voilà, c'est un peu une compensation, quoi. Voilà. Ils n'ont pas le spectacle, ils ont une carotte, c'est comme ça. Et en plus, c'était une carotte magique. Fustule. Parce qu'en fait, sur la carotte, il y avait plein de grosses pustules. Un peu comme les boutons d'acné. Et en fait, on pouvait les appuyer comme ça. Et après, il y avait des génies qui sortaient des pustules.
et vous pouvez demander au génie 3 vœux. Piscine. Piscine. Et donc, bah, on pouvait demander 3 vœux. Et bah, donc, la première personne à qui on a donné une carotte, il a fait pustule, génie. J'ai une piscine géante, mais vraiment géante. Merci. Et dans la piscine, elle est intrémadaire. Et bah, à ton tour. Ok, ça marche. Et bah, raconte-nous une histoire, c'est parti, au milieu. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui aimait beaucoup les fraises Tagada. Plus fort. C'est l'histoire d'une petite fille qui aimait beaucoup les fraises Tagada. Alors, enfants, s'il vous plaît, ceux qui aiment les Tagada, lèvent la main. Ok, c'était juste pour voir. Donc, elle achetait beaucoup de fraises Tagada dans sa petite besace. Et puis, elle allait à l'école avec ça. Escargot. Alors, à l'école, et souvent, on lui disait, « Ben, Nessa, tu marches vraiment comme un escargot. » Ce qui n'était pas du tout vrai. Elle allait à son rythme, elle s'en foutait des autres. Cochon. Chat. Un chat. Donc, la petite fille marchait énormément, et soudain, en haut d'un mur, un chat l'interpella. Coton. Coton. Chérie, tu me files une tagada? Et là, la petite fille lui dit, hors de question. Et le chat lui dit, vous n'êtes pas coton? Un autre mot? Sandale. Et là, la petite fille lui dit, non, parce que moi, le chat noir, tu m'interpelles, je n'ai pas le droit de leur parler. Et là, la petite insolente remit sa sandale. Ah oui. Mon cher Marc, raconte une histoire. Allez-y les mots, hein. Lâchez-vous, me donnez des mots bien compliqués. C'est parti. Il était un mercredi matin. Très moche, il pleuvait énormément. Un petit canard. Accra. Allez. Un petit canard martiniquais. Imaginez les accras. Quitta sa maison pour se promener. C'était un petit canard furieux. Il faut le savoir. Il portait sur son dos grosse épée. Là-bas. Maradou. T'as entendu un petit mot là-bas? Il y a Marabou. Marabou. Ok, Marabou. Non, mais attends, c'était l'épée qu'il aurait offert à Marabou. L'épée magique. L'épée avec laquelle il s'est prêté à conquérir le monde. Épinard. Et pour ça, il fallait déjà manger beaucoup d'épinards, puisque ça rend fort. Merci. Et bien sûr. Ok.